Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une intervention sur chantier. Mais là, aujourd'hui, on va aller faire une capture d'une reine de frelons. Enfin, je préfère dire une fondatrice avec son petit nid primaire. Donc là, j'ai vu le nid. Pour l'instant, le frelon, il n'y est pas. Donc il a dû partir chercher à manger ou quoi. Donc on va attendre qu'il revienne. Le petit bocal pour l'attraper. La petite tenue de Thomas pour se protéger. Et on va aller voir ça. Et je vous montre où il est. On va voir si le frelon est revenu entre temps. Allez, je vous montre ça. Donc on est devant une porte d'entrée. Et le nid est juste là. Bon allez Dédé, je crois qu'elle est dedans. Donc allez, on va s'habiller vite fait et on va aller traiter ça. Allez. C'est parti pour le combat. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Allez, on va aller voir ça avant qu'elle reparte. Alors je vais essayer de poser la GoPro parce qu'il me faut les deux mains. On va voir si vous allez bien me voir là. Allez, je la capture et je vous reprends. Dédé, elle est repartie. Ah, je suis dégoûté. Elle peut mettre 20 minutes pour revenir. Bon, on va attendre qu'elle revienne tranquillement. Voilà. On va lever le masque. Donc, on va attendre qu'elle revienne. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une fondatrice? Aujourd'hui, on est en début de saison. Donc, une fondatrice, c'est la reine. On appelle ça une fondatrice, c'est une reine. Elle est née au mois de novembre, elle a été fécondée par des mâles et partie hiberner dans la terre ou dans une écorce d'arbre. Maintenant, elle sort de l'hibernation, donc elle est enceinte, hein, donc elle va pondre des œufs. Mais pour ça, il faut qu'elle fabrique le nid. Donc elle est toute seule, elle fabrique le nid, elle pond ses œufs, elle va chercher de quoi l'agrandir le nid et de quoi surtout nourrir les larves. Bien entendu, quand vous avez un petit nid comme ça et qu'il n'y a pas le frelon dedans, ça ne sert à rien de détruire le nid, il faut attraper la reine ou tuer la reine en même temps. Donc c'est pour ça l'importance d'attendre. Ah, espérons qu'elle va revenir vite. Peut-être ça s'est joué un peu. Bon les dédés, je fais une pause sur la caméra. Dès qu'elle revient, je vous reprends. Allez, c'est bon. Thank you.
je vous ferai des gros plans tout à l'heure. Là, je vais finir de ranger, montrer ça aux clients. Et après, je vous fais des gros plans sur le frelon. À de suite. Bon allez Dédé, on a capturé la reine, je vais vous montrer un petit peu vite fait dans la voiture. Ouais, on va voir ça. Allez, on tourne l'écran. J'espère que vous allez bien la voir. Donc déjà ici, on voit bien les larves. On va essayer d'améliorer l'image. Vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de frelons qui étaient prêts à la transformation. Il ne manque plus que le capuchon blanc. On voit même les œufs. Vous voyez, on voit bien les œufs et le petit frelon, elle est là. Salut, bienvenue à la saison 2021. On la voit bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les Dédés? Bocal. Voilà le nid, voilà le nid. Voilà, la saison est repartie. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt les Dédés.